Yo tout le monde, salut les gens, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la partie 2 de Red Dead Redemption 2 en let's play sur PS4. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou plutôt ceux qui auraient un petit peu de mal à comprendre là où on était. Donc je rappelle un petit peu, dans la partie 1, on s'en était arrêté au moment où Arthur Morgan avait attaqué un train avec ses copains. Et ça s'était plutôt bien passé. Et d'ailleurs, c'est là où j'avais mis un joli petit headshot à l'autre bâtard. Et ensuite, le camp, du coup, a pris ses affaires et se sont barrés ou changé d'endroit. Parce que, évidemment, ce sont un groupe, entre guillemets, dans la loi. Et qui bougent de temps en temps comme des ermites, quoi. Donc voilà où on en était, quoi. Il y avait eu beaucoup de. Il y a eu de l'action, ouais, beaucoup d'action, ouais, et pas mal de cinématiques. Et voilà, donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, voilà où on en était. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, donc on va poursuivre cette magnifique histoire de Red Dead Redemption 2. Donc on se retrouve dans quelques instants les gars. Yo, à tout le monde. Donc Arthur Morgan, le voici, vous le voilà. Donc vous vous souvenez, on s'était rasé et tout, enfin, on avait fait les mecs un peu propres. Voilà. Bon, après, j'essaye de me rappeler des touches parce que je dois dire qu'il est vraiment très compliqué à prendre en main Red Dead Redemption, je l'avoue. Donc voilà. What the fuck? Ah oui! C'était le fameux prisonnier. Et oui, qu'on avait. Vous êtes Arthur, c'est ça? Ouais. Oh, le manque de respect. Bon, on s'en fout. Donc bon, j'ai pas besoin de faire de rappel pour tout le monde, hein. Voilà, le coffre est par là-bas, là où on pionce, c'est là où on se rase, voilà, en tout cas il y a beaucoup d'interactions avec les PNJ, ce qui est plutôt pas mal, et les discussions sont plutôt, et mais arrête de me suivre toi, oh, arrête de me suivre. Bon, bref, voilà. Eh bien, écoutez, on va se lancer dans une nouvelle mission. Hein. Tac, tac, tac. Dans une nouvelle mission. C'est quoi? S'asseoir, jouer au domino. Ah, jouer au domino, tiens. Je ferai ça dans une autre vidéo, je pense. Suivant ce let's play-là, je ferai une vidéo spéciale jeu de domino Red Dead Redemption 2. On va se régaler, je pense. Enfin. Mon cheval, t'es où? Il est où mon cheval? Mon cheval. Ah, il est là. Ma grosse vache. Viens ici. Allez! Viens ici, abruti. Voilà. Et hop, on y va. Donc on va aller vers tac tac tac. Ah, attendez, on va faire la carte un petit peu. C'est quoi déjà la carte? Je me souviens plus. La carte. Oulala, 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 oulala. Bon ben, on va pas aller très loin. On va aller au point U. C'était une bonne décision de ma part. Et ça servait à rien que je prenne mon cheval puisqu'il est juste à côté. Espèce de vieux con. Hop, merci mec, tu m'as sauvé la vie. Alors, l'oncle, c'est parti. You get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Nah. You gonna take Esclave. The old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you?
Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are going to love it. Okay then. Let's go. On y va. Ah donc, pour ceux qui auraient pas trop suivi le discours, donc soit vous revenez en arrière, ou soit vous écoutez mon explication. Donc voilà, donc on part du camp, on se dirige vers la ville de Valentine. Donc là, pour la première fois, je vais voir la ville de Red Dead Redemption. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et aussi, les trois filles qui est derrière ont un peu ras le cul de rester à la maison, quoi, à se tourner les pouces, à faire des corvées ménagères. Et voilà, donc Arthur Morgan n'était pas très chaud à les amener. Enfin bon, je dois dire aussi, trois nénettes comme ça, les amener... Enfin bon. Donc voilà, donc là on se dirige vers la ville de Valentine, avec l'oncle. Et du coup, Arthur Morgan. Plutôt pas mal le paysage. Oula, une autre diligence. Allez, on va accélérer un petit peu le pas. Wow. On va les aider. Va l'échapper. Wesh. Oh non, va falloir te courir après. Vous devez calmer les chevaux agités. Rapprochez-vous et centrez la vue sur le cheval avec L2. Voilà, on calme les petits poneys. Voilà, tranquille. Allez, maintenant. Tac. Oh, il est magnifique. Un peu sale, mais magnifique. Il est trop bien fait, ce cheval. Enfin, le jeu, carrément. On le ramène doucement, parce que j'ai pas envie qu'il n'achave encore, ce con. Burrico. Tac. Et voilà. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Ah. Anyway, c'est un Bosch. Bon allez, on se casse. J'ai pas que ça à foutre. On va aller à Valentine. Là où vit Valentin. Allez, c'est parti. Pipalapara, pipalapara. Un train. To be honest, you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Oups. Je crois que j'ai tué le cheval. Merde. J'ai tué le cheval. Quel trouille cul. Mais quel con. Mais quelle grosse merde. Donc là, du coup, on recommence comme des connards. Fait chier. Ah, merde. Perdre du temps comme ça. Le cheval, à peine tu le fais toucher le train, c'est bon, ça y est, il tombe par terre, tel un puzzle. Oh, par contre, si le mec, il me dit de le re-aider, mais nique sa race. Hein, clairement, dégage. Ah, c'est bon, ça suffit une fois. Oh,
Oh non, non, non. Oh, je vais pas l'aider. Oh non, 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 c'est bon. Ça suffit. On va ralentir, les chevaux sont épuisés. Allez, on arrive à une petite ville. Hop, une autre ville. Ah putain. Tous les détails sont bien faits. Je roule dans la boue, la roue, les roues collent à la boue. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, mais magnifique. Hein. Je suis vraiment sur le cul. Ils ont mis je sais plus combien de temps à mettre à faire en. Quand ils, je crois, si je dis pas de conneries, quand ils ont sorti Red Dead Redemption 1, ils étaient déjà en conception de Red Dead Redemption 2. Donc ça fait, je crois, à peu près 12 ans qu'ils sont en réalisation de celui-ci. Et 12 ans pour réaliser ce jeu, honnêtement, chapeau Rockstar. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau. Donc là, en fait, je fais pas exprès de ralentir, c'est juste le chariot qui ne veut pas avancer parce que la roue, les roues collent à la boue, du coup, je peux pas aller plus vite. Voilà. Hop. Hop, et on s'arrête. Tac. On y est. Bienvenue à Valentine. On va à quelque chose de bien, les saloons. Du whisky pour commencer. Dans une boutique, approchez-vous d'un objet dans un rayon. Ah, bon ben on va prendre des cigares, hein. Je suis désolé. On va prendre du whisky. Rhum de Barma. On va en acheter un. On va en acheter un autre. Deux petits cigares. On va prendre. Tac. C'est super bien fait. Pas mal. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut acheter? J'achète un peu tout. On se fait les boutiques. C'est quoi ça? Acheter un réanimateur. Galet d'avoine. Yep.
Je vais l'acheter. Attends, je vais prendre une autre taille de whisky quand même. Mets un autre cigare. Portez déjà le maximum autorisé pour cet objet. Merde. Bon ben. Feuilletez le catalogue. Wheeler Outson. Munitions. Allez, dans munitions. Ah ah. Mais on va prendre un peu tout. Bon bah tant pis. Tac. Merci mec. Barbu. Allez, on se casse. Elle est où la sortie? Elle est là. Il est super ce jeu. It's a funny world. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. La siesta après l'alcool. La bibine. I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to San Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night, as to get to the docks in time for the tides, in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hannah. Right, it's real quiet. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. Guess I'll go see if there's any trouble. There's Tilly over there. That does not look ideal. Eh merde. Un face à face. You can go, there's a damn snake for all I care. Get off me. Get off of me. I've been looking to. Oh, tu fais quoi, frère? Lâche-la. Fouiller l'hôtel. Eh mais en fait, c'est des hippies, elles font n'importe quoi. L'hôtel. Merde. C'est fermé. On va aller de l'autre côté. Ah vas-y, je rentre sans demander, c'est bon. La musique angoissante et tout. Je vous laisse vivre ce petit moment. Silence radio. Où est-ce qu'elle est? De C. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ou celle du fond. Ah! Mais il est en train de yèche le mec! Ah vas-y, ça a tout liqué là! Ah! Bon vas-y, je vais pas le déranger quand même. Putain, de lâcher un bronze le mec! Qu'est-ce que.
C'est pas celle-là. On va défoncer la porte alors. Ah. T'as payé, espèce de sale porcasse. Oh, connard! Oh, connard! Wesh, wesh! Connard! Je t'ai mis une droite. Oh, j'ai pris. Oh! Oh putain, il m'a mis des mandales, le mec. Il m'a enchaîné. C'est quoi? Je vais le laisser. Ah, oh, il m'a enchaîné, le gadjo. Oh putain, l'enfoiré. Je me souvenais plus des touches, je vous ai dit, il est méga compliqué. Tu vois ma gueule, elle est pleine de bleu. Thank you, Arthur. I don't much like to say when I have to be. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Ah, il a pris une droite quand même. Je l'ai séché, le gadjo. Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come. Get. I don't like this. Me neither. Ouais. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. T'inquiète pas. Alors, j'ai l'impression que c'est une poucave et qu'il va me balancer aux autorités si je l'arrête pas. On va prendre un autre raccourci. Il est passé par là-bas. Ah, chat, t'as failli tomber. Cigare pendant qu'il parle. Ah, la décadence. Est-ce que je t'aide ou je te balance? Vas-y, tu m'as fait courir pour rien, sale con. Vous avez perdu de l'honneur. En continuant à accomplir des actions négatives, vous deviendrez encore plus déloyal. T'avais qu'à pas me faire courir, sale con. Imbécile. Hop, on a chavre de mer. Hello. Am I glad to see you?
Qu'est-ce que c'est? Les plantes et les herbes que vous pouvez ramasser seront indiquées en surbrillance avec l'œil de l'annexe. Les herbes, nanana. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Au saloon. Allez. Autre mission. Repos à l'américaine. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Pussy cat. Anyway. Wait, that a nice way to talk to a lady. Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. J'ai entendu un lit de ta mère. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey. Baston, 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 baston. Ce con. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney, the very same. I thought you'd gone to New York.
and miss all this glamour. You must be joking. Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. On s'est fait dégommer. Hein. On l'a débourre, mais on s'est bien fait dégommer. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Of course. Eh ben putain, on s'est fait dégomme. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself clean. Va te laver, sale crasseur. Ma gâteuse. Ah ah. Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Ah putain, j'arrive en vie, je suis une baston, tu sais. Ça y est. Vas-y, fais chier, là, je suis tout seul. Vas-y, on va retourner au salon, j'ai envie de me taper encore. Non, je déconne. Par contre, on a là. Bon, mais apparemment, il n'y a plus personne. Bon, on va reprendre un peu de santé quand même, histoire de bien se refaire. On va restaurer aussi un peu l'éclair. Allez. Fortifiant miracle. Allez, et c'est reparti pour un tour. Ah ouais, mon chapeau. Faut que j'aille le chercher. Il est tombé pendant la baston. Ou soit il est tombé dans l'hôtel, je sais plus. Il est tombé... Ah là, il est là. Mon chapeau. Et voilà. Mon petit chapeau. Ah ah. Pipa 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 pu. Bon, la carte. Où est l'autre point de mission? L'autre point de mission. Ah ouais, d'accord. Il faut retourner au bail. Ah ouais. Pff. Kieran. Lance Trost. Ocean Matthew. Une blessure d'amour propre. Kieran. Leon Paul Strauss. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne au camp. Ou qu'on fasse, non, une petite mission secondaire, tiens. Juste pour passer le temps. Tranquillement. On va prendre ça. Allez, on y va, mec. Ah ah. Oh merde. Wesh. Wesh, tu me tires pas dessus comme ça, moi. Merde. Ah, moi j'ai cru que c'était du GTA, le bordel. Oh, arrête.
Allez! Putain, je suis mort là, bordel! Fais chier! Et merde. La mort. Putain de merde, je suis mort. Fais chier. Putain. Il faut encore que je le prenne en main. Putain. Et merde. Tant pis. J'ai pris cher. The Erdland Prime. Oh putain, $65 pour me capturer. 18h10, il fait 8 degrés. Ok, d'accord. Bon, et eh ben, on va voir ce qu'il y a. Hein. Hop, on va prendre mon cheval. Hein. Déjà, je vais aller chercher mon chapeau. J'espère qu'il est là, mon chapeau. Mon chapeau. Mon chapeau. Hello, mon chapeau. Hein? Salut, mec. Hey there. Mister? Hop. Il est pas là, mon chapeau. Il est où, mon chapeau? Je mets mon chapeau. Putain. Ah là là, merde. Mon chapeau. Je mets mon chapeau. Mon chapeau. Bon ben, je sais pas où est mon chapeau. Ah, bah tiens, des affiches. Qu'est-ce que c'est? On va acheter un journal. New Over. Ah non. J'ai pas envie. Non, merci. On va voir un petit peu les armes qu'ils proposent. En fait... Juste petite parenthèse sur Red Dead Redemption. Comme je vous avais dit dans le premier Let's Play, Red Dead Redemption est un jeu qui est totalement basé sur la personnalité de votre jeu. C'est-à-dire que si vous êtes un enfoiré, les gens vont se comporter comme des enfoirés. Ou autre, ou... Enfin, peu importe. Enfin, voilà, quoi. Bref. Enfin, c'est un peu ça, quoi, le truc. C'est si vous êtes un enfoiré, tout le monde va se comporter pour un enfoiré. Si vous faites des actions mal, eh bien, vous allez être recherché. Comme il s'est passé à l'instant où je suis mort comme une merde. Et là, j'ai l'impression qu'Arthur Morgan ne va pas très bien. Donc, je vais lui donner à manger. Parce qu'il a l'air très faible. Donc, je vais lui faire restaurer sa santé. Ah. Il a l'air de péter la forme encore. Ah, il a l'air d'aller mieux déjà. Alors. J'ai envie de voir un petit peu les armes, mais j'ai que 15 balles. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que... Pistolet. Combien ils sont? Ouais. Oh là là. Oh là là. Les flingues. Mais ils sont trop chers. Oh non. Mais je m'en doutais un petit peu. J'ai que $15. Merde. Bon. Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah écoutez. À mon avis, il me faut falloir beaucoup de temps pour avoir du fric. Ça me fait chier un petit peu. Enfin bref, on va juste essayer de voir un peu là-bas. Hop. Bon, désolé hein, pour ce let's play, hein, il est un petit peu what the fuck, mais c'est juste que voilà, j'avais envie de prendre vraiment en main ce jeu. J'ai juste fait une petite mission comme ça. Donc voilà.
On va essayer de voir si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Dommage. J'avais besoin de me repentir, bordel. Bon. Eh bien, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo hein, de Red Dead Redemption. Donc, c'est tout pour le moment pour ce second let's play. Donc, veuillez m'excuser si, voilà, j'étais un petit peu absent pendant le game, pendant le let's play. C'est parce que je faisais autre chose en même temps. Et puis aussi parce que j'avais pas trop le temps. Donc voilà, j'ai voulu faire ce petit let's play un peu à la va-vite, vite fait. Donc j'espère qu'il va vous convaincre. Voilà, il y a eu de l'action, c'était plutôt pas mal. J'en étais sûr qu'on allait aller dans une ville et qu'il allait y avoir beaucoup d'action. Donc c'est ce que je voulais. Donc tant mieux. Et ben voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc vous inquiétez pas, il y aura un let's play 3, vous inquiétez pas. Il sera beaucoup mieux que celui-ci. Donc voilà, donc j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Et puis écoutez, ben, on se retrouve dans le let's play 3. Donc n'hésitez pas de lâcher un petit commentaire. Votre plus gros pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous voulez être au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Red Dead Redemption ou sur autre. Donc bah écoutez, portez-vous bien et puis ciao ciao, peace.